Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler donc sur les sources d'énergie utilisées dans le monde. Il y a le Cher qui coule à côté du quartier et donc peut-être que l'on peut exploiter cette ressource en eau en termes de production d'énergie et d'électricité. Vous avez un document qui est un graphique qui vous montre la quantité consommée d'énergie, alors en équivalent tonne pétrole, c'est un petit peu complexe mais ce n'est pas très important, en fonction du temps. Vous avez de 1965 à 2010. Et vous avez différentes énergies, pétrole, charbon, gaz, hydroélectricité, nucléaire et biocarburant. Vous avez différentes questions. Indiquez les trois sources d'énergie les plus consommées par les activités humaines en 2010. La source d'énergie dont la consommation augmente le plus depuis 2003. Et enfin, décrivez l'évolution des énergies renouvelables utilisées. Vous avez deux définitions à connaître que vous reverrez en physique chimie, le terme d'énergie fossile et d'énergie renouvelable.